나라가 임하여 주시고 하나님의 237 나라가 살리는 렘넌트가 되게 해주세요. 띡띡띡 하나님 나를 꽉 붙잡고 계시죠? 나도 하나님을 꽉 붙잡고 있어요. 하나님 오늘은 우상 숭배하는 날입니다. 하나님 나라가 임하여 주세요. 나는 하나님의 자녀다. 나는 세상을 살릴 파수꾼이다. 약속 성취해 그리스도 Alors, les remnants du jardin d'enfants que Dieu tient fermement. Bonjour. Qui nous tient fermement? Oui, c'est Dieu. Vous allez tenir la main de votre ami à côté de vous. Et regardez-vous dans les yeux et vous allez faire la confession. Mon ami, Dieu nous tient fermement. Encore une fois, mon ami, nous sommes les enfants de Dieu. Les remnants qui ont fait cette confession, levez-vous tous. Nous allons chanter la chanson dans le calendrier de Dieu. Hannah.
Parce que Dieu nous tient à faire un moment, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Comme Joseph, nous allons triompher en cette sans cette alliance. Deuxième chanson, nous sommes la lumière du monde. Partout nous allons, le royaume de Dieu survient. Partout nous allons, la lumière éclaire. Vous avez bien chanté, asseyez-vous. Ah, nous allons prier avant d'écouter la parole. Aujourd'hui, alors, les parents, la maman de Chidong, qui a 7 ans, elle va prier pour le culte. Diaconesse Bakana. Dieu, merci de nous permettre de louer ensemble dans le temple et que ton amour nous abonde et que les enfants puissent être imprimés de la parole de vie et qu'ils puissent porter beaucoup de fruits dans le royaume de Dieu. Partout où ils vont se réjouir de la bénédiction d'encontre avec le talent que tu leur donnes, qu'ils soient utilisés pour l'évangélisation mondiale.
donne la pleine du Saint-Esprit aux parents et qu'ils puissent entrer dans la prière de 24 heures. Nous prions pour les institutrices et les parents et le pasteur qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et reçoivent les cinq forces nécessaires. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre aujourd'hui, nous allons lire ensemble. Le titre d'aujourd'hui, faites briller la lumière sur les ténèbres. C'est la dernière histoire de Joseph. Joseph, qui est-ce qu'il rencontre aujourd'hui? C'est Pharaon qu'il va rencontrer aujourd'hui. Essayons de nous souvenir au début. Quel rêve, quel genre de rêve Joseph a fait? Qui est-ce qui lui a donné ce rêve? C'est Dieu qui lui a donné ce rêve. À la promesse que Dieu a donnée, est-ce que elle va s'accomplir ou pas? La promesse de Dieu s'accomplit toujours. Et ses frères l'ont détesté. Pourquoi? Les frères n'étaient pas du tout intéressés par l'alliance. Et donc, il a été vendu comme esclave. Où est-ce qu'il est allé? Ah! Il a été vendu comme esclave. Et il a été vendu comme esclave chez Potiphar. Général Potiphar, il était en train de prier. Il était en train de bâtir la tour de la prière. Donc le royaume de Dieu était sur Joseph et la maison de Potiphar. Il est devenu intendant de la maison de Potiphar. Nous avons vu la dernière fois. La femme de Potiphar essayait de séduire Joseph, a menti que Joseph l'avait séduit, donc il était mis en prison. Mais, même en prison, Dieu lui a envoyé une personne. Dieu a envoyé des chefs des chansons et Dieu a permis à Joseph d'interpréter leur rêve. C'est à cause de cela que Joseph a été relâché. Ou pas? Il pensait qu'il allait être relâché, mais il était toujours en prison. Nous allons commencer la dernière histoire. Alors, 1, 2, 3. Nous allons tous parler très fort. Comme ça, les acteurs vont venir sur scène. Partons dans l'histoire intéressante de la Bible.
Quel genre de rêve c'est? Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quelqu'un? Oui. Vous m'avez appelé. J'ai fait un rêve très bizarre. Ah, quel rêve! Encore une fois, vous avez fait un rêve. Un mauvais rêve? Oui. Encore une fois, j'ai fait un très mauvais rêve. Alors, qui est le roi le plus beau du monde? Hein? Non, non, non. Ce que je veux dire. Qui est le roi? Est le pays le plus puissant du monde. L'Égypte. Oui. Et l'Égypte, qui est la plus grande puissance du monde, qui est le roi d'Égypte, c'est Pharaon. Alors, pourquoi? Personne n'est capable d'interpréter mon rêve dans ce pays. Oh, roi, quelqu'un peut interpréter votre rêve. Qu'est-ce que tu as dit? Il y a quelqu'un qui peut interpréter mon rêve? Il y a quelqu'un comme ça? Oui. Un jour, le moi qui était chargé du vin et un collègue qui était chargé du pain, nous étions en prison. Un jour, nous avons fait des rêves très étranges. Mais il y avait un jeune prisonnier qui était dans la même prison que nous. Il s'est approché de nous et il a interprété nos rêves. Après 3 jours, le rêve qu'il a interprété était complètement exaucé. Moi, j'étais libérée de la prison, mais mon collègue a été exécuté
sur un arbre. Il était pendu. Ah, ce que tu dis est vrai? Où est ce jeune prisonnier? Oh. Oui. Je ne sais pas où il est. Quel est son nom? Oh, je ne me souviens pas très bien. Comment s'appelle-t-il? Quel est son nom? Encore plus fort. Comment il s'appelait? Joseph. Oui. Il s'appelle Joseph. Mais où est-il maintenant? Je pense qu'il est encore en prison. C'est Joseph qui est capable d'interpréter mon rêve est en prison. Moi, j'ordonne le roi d'Égypte de faire sortir Joseph qui est en prison. Joseph, on va l'amener ici. Majesté, Majesté, vous m'avez appelé. C'est toi, Joseph? Oui, c'est moi. J'ai entendu que tu es capable d'interpréter des rêves, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'es pas capable d'interpréter les rêves? Ce n'est pas moi. C'est l'Éternel, Dieu, que je sers, va me donner l'interprétation de votre rêve. Mais Joseph, toi,
thunes de vente. Pas de toi, mais tu élèves le nom de l'Éternel Dieu. D'accord. Est-ce que tu peux écouter l'histoire de mon rêve? Quand j'ai vu dans le rêve j'étais là sur le Nil et il y avait beaucoup. Ah, il y avait 7 vaches très en chair étaient là. Et elles étaient en train de manger de l'herbe. Mais il y avait 7 autres vaches qui étaient maigres qui sont apparues. Et j'ai jamais vu de telles vaches en Égypte. Elles étaient maigres, elles étaient moches. Mais ces vaches maigres ont mangé les 7 autres vaches qui étaient belles et en chair. Et moi, je me suis réveillée. Et encore, j'ai fait un autre rêve. Dans mon rêve, il y avait une tige. Il y avait beaucoup de vierges. Il y avait 7 vierges qui ont bourgeonné. Mais tout d'un coup, le vent a soufflé très fort. Il y avait 7 autres vierges qui étaient complètement amaigries. Et ces 7 vierges maigres et sèches ont avalé les 7 autres vierges qui avaient bien bourgeonné. Qu'est-ce que c'est, ce rêve? Ô roi, vous avez fait 2 rêves, mais c'est la même histoire. L'Éternel Dieu vous a montré ce qu'il allait faire dans votre rêve. Alors, l'Éternel Dieu m'a montré ce qu'il allait faire. Alors, les 7 belles vaches et
les sept verges. Ça veut dire sept ans. Et sept vaches maigres et moches. Et aussi des grains et des feuilles qui étaient sèches. Ça veut dire sept ans. Et l'Éternel Dieu vous a montré ce qu'il allait faire. Pendant sept ans, il va y avoir beaucoup de bétail et il y avait beaucoup de bonnes récoltes en Égypte pendant sept ans. Et l'Égypte va prospérer, mais après, pendant sept ans, tout le monde va souffrir de faim. Il va y avoir sept années, de très mauvaises années. Les gens seront tellement maigres, ils auront tellement faim qu'ils vont oublier les sept ans de bonne récolte. Et la terre sera complètement périe. Donc, vous devez vous préparer pour résoudre ces problèmes. Et l'Éternel Dieu va faire ces choses immédiatement. Donc, dans ce pays, vous allez choisir des personnes intelligentes et vous allez dans la rassemblée du grain, vous allez rassembler du grain. Dans le stockage, et puis préparez-vous pour les sept ans de sécheresse. Et cette mauvaise année, donc vous n'allez pas périr. Donc les ténèbres qui étaient sur moi ont complètement disparu. Ah, oh, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est aussi inspiré de l'esprit de l'Éternel. Où est-ce que nous allons trouver une personne comme toi encore? C'est l'Éternel Dieu qui t'a montré tout ça. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas régner sur l'Égypte. Et tous les Égyptiens doivent t'écouter. Aujourd'hui, je te nomme le gouverneur d'Égypte. Les remnants qui doivent témoigner de l'Éternel Dieu. Nous sommes appelés comme remnants. Nous allons nous lever
et chanter ensemble pour louer Dieu. Pendant tout le mois, nous avons vu les histoires de Joseph, ce qui est important ici. Aujourd'hui, Joseph est devenu gouverneur d'Égypte. Mais quand il était jeune, il a fait le rêve de l'alliance. C'était l'alliance que Dieu avait donnée. Nous appelons ça comment? C'est l'alliance que Dieu a donnée. À partir de maintenant, les parents doivent savoir que c'est CVDP, c'est l'alliance que Dieu donne, ça devient l'avenir, ça devient le rêve. Et un jour, ça sera réalisé et ça va devenir le chef-d'œuvre. C'est parce que c'est l'alliance que Dieu a donnée. À partir du mois de mai, les parents, vous devez vous souvenir que le ministère de la parole à Chambre haute, ça se fait sans présentiel. Mais nous allons trouver le temps et l'espace le dimanche. Nous pouvons nous réunir dehors à partir du mois de mai. Nous allons faire la chambre haute sans présentiel pour les remnants qui sont à l'étranger. Mais le dimanche, à midi, nous allons trouver un endroit et faire la chambre haute ensemble. Et les parents sont tellement importants. Votre commission est importante. Pourquoi? Parce que l'enfant, si l'enfant saisit l'alliance dès son enfance, et l'alliance sera accomplie cet enfant. Et Jacob pensait que Joseph était mort, mais il a entendu des nouvelles et que tous ses frères se sont prosternés devant Joseph parce que Joseph est devenu gouverneur de l'Égypte et c'est lui qui donnait du blé. Alors, quand Jacob a vu Joseph, il a compris que l'alliance de Dieu était accomplie. Et vous avez vu, Pharaon, il a fait un rêve et personne ne pouvait interpréter. Alors, Pharaon a dit, « Qu'est-ce qui peut interpréter mon rêve en Égypte ?» Personne ne pouvait le faire. Et c'est à ce moment-là que le chef de ses chansons, et il s'est souvenu de Joseph et qu'il était capable d'interpréter son rêve. C'était Joseph. C'est comme ça qu'il a dit à Pharaon, il y avait une personne qui pouvait interpréter le rêve, c'était Joseph. Le remnant était devant Pharaon. Et il a dit, tu sais interpréter le rêve, qu'est-ce que Joseph a répondu? Ce n'est pas moi. C'est ce que Joseph a dit. Mais j'ai entendu que tu es capable d'interpréter le rêve. Mais en dehors, quand il est sorti de la prison, il n'a pas dit que c'était lui. Il a dit au contraire, ce n'est pas moi. Encore une fois, c'est Dieu qui va le faire. Et le roi, Pharaon, était vraiment choqué. Et à cause de ce que Joseph a dit, les ténèbres étaient chassées. Faire briller la lumière sur les ténèbres. C'est ce qui va se passer. Partout, les remnants se déplacent. Les deux mains en haut, vous allez suivre et répétez après moi. Partout où je vais, la lumière de la vie éclaire.
Je suis enfant de Dieu. Je suis le remnant de Dieu. À travers le remnant, les mêmes choses vont se produire. Comme c'était le cas pour Joseph. Partout où vous allez faire briller la lumière sur les ténèbres. Les personnes de 200 dans cette nation et les 5000 tribus. Et parce que il y a la lumière est là. Ah, les ténèbres disparaissent. Partout où vous allez avoir ces réponses. Et dans la semaine, vous avez le culte et le culte du journal de prière. Tous les jours, nous continuons la chambre haute, ministère de la parole, son présentiel pour relayer l'Alliance. Alors, qui est le top remnant d'aujourd'hui? C'est qui? Alors, le top remnant de la semaine. Alors, c'est le remnant qui fait la chambre haute en ligne et qui fait les journaux de prière tous les jours et qui chante bien les louanges. Qui est-ce? Et quelqu'un, le remnant qui fait le chef-d'œuvre du temps du sommet. Ah, Kimbora! Alors, Bora, félicitations! Sa maman ne pouvait pas être là parce qu'elle interprète le message. Vous allez relever le défi pour être top remnant. Nous allons chanter. Allons dans le calendrier de Dieu. À tous nous lever, nous allons chanter ensemble et donner des offrandes. Chantons et nous allons donner nos offrandes en même temps. Des bulles de joie, le temps du sommet. Le rêve de Joseph était différent de celui de ses frères. Et son rêve était donné par Dieu pour sauver les 237 nations. Et quel est votre rêve? Je ne réagis pas pour moi. Ce n'est pas mon rêve. Mon rêve était différent.
c'est pour sauver et aussi les témoigner de Dieu qui est avec moi dans les 237 nations. Aujourd'hui, nous allons confesser le rêve que Dieu nous a donné. Nous allons faire un chef-d'œuvre ensemble. Ce qu'il faut préparer, les papiers, journal, adhésif, papier en couleur et des ciseaux et la colle et d'autres matériaux de décoration. Nous allons plier le papier journal sous forme de triangle. La partie qui reste coupée avec les ciseaux. Et donc les journaux, et qui sont coupés, on va coller des feuilles pour que ça ne bouge pas. Plier en deux, le papier coupé, et selon la ligne au milieu, nous allons aussi plier du haut en bas et du bas en haut. Retourner le papier et plier en deux. Plier la partie en bas vers le centre et tourner le papier, c'est plier vers le haut, écarter les papiers au milieu et mettez les bouts vers l'intérieur. Et avec l'adhésif, vous fixez. Papier qui reste. Plier et coller verticalement et mettez de la colle au milieu pour que ça soit fixé. Et les deux parties qui sont longues, vous allez les mettre sur les deux bouts et couper cette partie avec la forme où vous voulez et décorer ça avec des matériaux de décoration, des papiers en couleur. Voici le chef-d'œuvre d'aujourd'hui. Mon rêve est différent. C'est fini. Le rêve que Dieu a donné. Vous allez le confesser très fort. Mon rêve est différent. Et puis, vous faites ce rêve dans la prière. Tous les jours. Ah, nous allons voir la mission de la semaine. Les bulles de joie et le temps du sommeil. Joseph, depuis son enfance, avait saisi l'alliance que Dieu lui avait donnée. Alors, quel rêve il avait de faire briller la lumière sur les ténèbres. Il avait le rêve de l'évangélisation mondiale. C'est la même chose pour nous. Le rêve que Joseph avait, c'est aussi notre rêve. Qu'est-ce que nous allons faire? Regardez. Mon rêve, ce n'est pas pour réussir pour moi. Même mon rêve est différent. Ah.
Mon rêve, c'est de témoigner de Dieu. Qui fait briller la lumière dans les 237 nations. Il faut comprendre que notre rêve est différent. Nous allons faire le chapeau de Joseph. C'est pasteur qui va bénir les offrandes et donner la bénédiction finale pour finir le culte. Nous allons avoir la conférence des missions mondiales. Il y a beaucoup de missionnaires qui sont invités. Il y a aussi des messages spéciaux, il y a la rencontre avec les missionnaires. Alors, dans cette salle, il y a des membres d'église et les missionnaires seront ici. Donc, dans la semaine où il y a la conférence des missions mondiales, nous allons avoir le culte de jardin d'enfants en ligne. Mon Dieu, avec les offrandes que nous donnons, que nous pouvons, nous puissions construire le temple où les personnes de 237 nations qui viennent recevoir la formation, où les malades seront guéris et aussi les remnants seront établis. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit seront sur eux. Tous les remnants qui ont saisi l'alliance de CVDP, qui vont faire voler la lumière sur les ténèbres. Surtout les remnants des parents et des instituteurs, maintenant et pour toujours éternellement. Amen.